Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour la chambre d'Anna, ce qu'on appelle un room tour, pour y découvrir son univers, la déco de sa chambre, là où j'ai acheté ce qui peut être les accessoires ou ce genre de choses là. Merci au chien qui aboie derrière, c'est cadeau. Une demoiselle qui est en train d'essayer de dormir, mais avec ça là qui fait du bruit derrière, c'est juste pas possible. Bref, on s'en fout, je raconte ma life. Donc je vous laisse découvrir la chambre d'Anna tout de suite sur la vidéo. Belle journée à vous. On retrouve donc ici en fait la bibliothèque d'Anna. Donc là ce sont des livres de chez McDo. Parce que oui, je mange des Happy Meal. Et du coup j'ai pris les livres pour Anna pour quand elle sera plus grande. Quand on voit le prix des livres, et ben au moins là, la demoiselle aura ce qu'il faut. Donc la petite poupée Anna, bah oui, c'était obligé. Celle-ci est jolie. On retrouve l'azalée, donc la licorne de chez Vetec qui va avec le château. Mais la demoiselle en a peur, donc du coup, voilà, il reste là en déco pour l'instant. Donc ça, c'est une commode de chez Ikea. Je crois qu'il doit coûter 70 euros, quelque chose comme ça, ou peut-être moins. Avec les petits paniers qui vont bien pour ranger tout ce qu'il faut dedans, les jouets en particulier. Donc là, je retrouve ici son petit thermomètre pour contrôler la température, qu'il ne fasse pas trop chaud. Une jolie petite cage que j'ai décorée, qui nous servait à notre mariage en guise d'urne. Elle a été recyclée dans la chambre d'Anna. Et donc là, on retrouve les jolis papillons qui sont trop mignons. Donc de chez Verbaudet. Donc c'est de la collection déjà qui date depuis 2015. Hein, donc un petit bout de temps. On retrouve ici une jolie tirelire Hello Kitty qu'elle a eu à son anniversaire l'année dernière. Le babyphone. Hein, de chez Baby Move, qui est vraiment top, et sa jolie boîte à bijoux qui du coup là est en mode éteint avec ses petits bijoux dedans. Donc je l'ai caché parce que la demoiselle elle a tendance à jeter un peu trop par terre. Et puis alors là, sa tortue, c'est l'indispensable de la chambre quoi, sa veilleuse. Ensuite on retrouve ici une déco que j'ai faite durant ma grossesse. Donc, il s'agit des pompons que j'ai fait toute seule. Si vous voulez des informations pour les faire, je pourrais vous en donner. La jolie lampe ici. La suspension qui vient de chez Leroy Merlin. C'est une tuerie, elle est trop belle. Et on retrouve donc du coup son lit ici. Donc pareil, c'est un lit Ikea. Donc je viens d'enlever tout fraîchement les tours de lit pour lui installer une jolie couette, parce que la demoiselle aujourd'hui ne dort plus dans les gigoteuses. Donc voilà, donc là ça c'est une couette de chez Verbaudet. Et franchement toutes mes housses de couette, tout, enfin pour petit, la gigoteuse, le tour de lit venait de chez Verbaudet. Et on peut voir la demoiselle hein, qui est en train de nous faire des petits dégâts. C'est la peinture, et puis bah, je pense qu'elle gratouille. Voilà, donc on a la peinture qui s'écaille. On refera ça quand elle changera de chambre. Voilà, voilà. Donc voilà, donc principalement les jeux d'Anna dans sa chambre, on retrouve son joli château Vetec, avec lequel elle adore jouer, et par lequel elle met ses petits personnages de Disney. Donc là on retrouve Pluto. Elle adore jouer avec ce château. Et j'avoue, j'aurais été petite, je crois que je l'aurais adoré. Donc là on retrouve, elle a caché ses petits jouets. Daisy, Dingo, toute la famille. On retrouve ici un super énorme gros nounours qu'elle affectionne particulièrement et qui elle fait de maxi câlin, contrairement à maman. Donc voilà son petit coin jeu dans sa chambre. Alors il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de tout ça parce que pour moi c'est la prise poussière. Donc pour l'instant il n'y a pas de tapis. Ensuite, on retrouve de jolis petits cadres que j'ai fait moi-même. Alors, c'est pas bien, mais j'ai récupéré des images sur internet et j'ai fait mes petits cadres. Donc, c'est des cadres Ikea qui sont la base marron que j'ai repeint de la couleur de la commode. Et j'ai mis ces petits mots-là. Donc, la vie en rose. Et sans petits bisous, les rêves sont flous. Voilà, voilà. Donc, là, on retrouve des petites décos, un petit livre. On retrouve sa petite chaîne où il y a un petit nœud. Faut que papa enlève le nœud parce que moi, je suis pas douée. Et là, on retrouve son armoire. Voilà, donc petite armoire avec des étagères, les vêtements, gilet, t-shirt, et ici sa petite penderie, donc il y a de quoi faire.
pour un petit peu de chaud. Voilà, voilà. Ensuite, alors, du coup, on retrouve ici des rangements qui sont sous les niches. Et en fait, donc, du coup, je vous montre, je prends du recul. Mon beau-père a eu cette belle idée d'exploiter les niches. Parce que du coup, on gagne énormément de place pour les rangements. Donc, je vous ferai un petit topo exprès pour ça, sur les rangements de la chambre d'Anna, de comment que j'organise les tiroirs, comment que j'organise son dressing. Mais aujourd'hui, on fait juste un petit tour de sa chambre. Donc là, on trouve des petits paniers. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo ce à quoi ça me servait. Là, aujourd'hui, ça me sert principalement du coup de déco pour y stocker les petits malours. Le petit coffre à jouets sur roulette de chez Verbaudet. Ça fait un boucan monstre quand ça roule. C'est plus une déco, quoi. Et donc là, bah, coucou, on me voit ici. Donc, je filme avec mon téléphone. Hein. Donc, du coup, on retrouve une jolie guirlande donc, qui est à faire, enfin une guirlande, enfin des fanions qui se font en fait. C'est un kit tout prêt de couture. Donc, il faut quand même avoir des petites notions de couture. Donc, c'est mon papa qui l'a fait. Donc, on a acheté le coffret. Donc, il y a tous les petits motifs. Donc, voilà ce que j'ai choisi moi. Donc, au château, il était une fois au château. Qui est la princesse du château? Je suis une vraie princesse. Voilà, donc les motifs. Donc les lapins, je l'aimerais bien, en plus j'adore les lapins. Vous voyez, en fait, on peut prendre les motifs que l'on veut. En fait, on peut vraiment choisir comment on veut faire son fanion. Donc c'est vraiment personnalisable. Je ne sais plus dans quel magasin, mais c'était dans une papeterie, il me semble. Donc on retrouve le miroir ici. De chez Maison du Monde pour donner un peu de profondeur à cette pièce qui est vraiment petite. Et donc là, on retrouve sa commode, donc sa table à manger que j'ai acheté 30€ sur le Bon Coin et que j'ai entièrement retapé. Donc voilà, salut, salut! Et on retrouve ici donc un joli petit pouf, une chaise carrément même, mais pour l'instant, elle s'en sert pas beaucoup. Et donc le petit détail ici, donc c'est trouvé chez Eurodif avec sa première robe d'anniversaire, alors sa première robe de Noël pardon. Et les jolis cadres avec noté Anna, niché toujours chez Ikea, et puis c'est moi-même qui ai fait les fonds à l'intérieur avec Word et puis des motifs donc Liberty. Voilà, voilà, donc c'est très classe, on voit maman, c'est pas terrible, mais bon. Je suis pas une pro de la vidéo, les filles. Et voilà. Et oui, j'oubliais, donc du coup, sur la commode, on a une jolie housse qui recouvre en fait le tapis allongé, qui a été fait par mon papa, j'ai choisi mon tissu. Donc toujours dans le Liberty, j'adore ça. Voilà, voilà. Et me voilà dans la chambre, donc en fait quand on regarde dans le miroir c'est plutôt sympa. Voilà. J'aime beaucoup la chambre de ma poupette. J'espère que vous aimez aussi et puis si ça peut vous donner des idées, ça peut toujours servir. Voilà, donc le tour de la chambre d'Anna est terminé. Si toutefois vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les faire partager en commentaire juste en dessous. Et puis si la vidéo vous a plu, bah, je compte sur vous pour vous abonner. Et puis bah, également me mettre des petits pouces en l'air, ça me motivera à vous en faire d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une belle après-midi, ou une belle soirée, ou une bonne nuit à ce moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, et puis à très bientôt.